Le président Gbagbo, seulement Bézira. Le président Gbagbo, ce n'est plus un homme, c'est un monument. Il crée le Metz. Partout où il passe. Actuellement, le président Gbagbo est en route pour son village là. Mama, là où il est, sur la terre de ses ancêtres. Voir ses parents après 10 ans d'exil. Le président Gbagbo se rejoint sa famille. Sa famille biologique, sa famille politique, voilà, et à le mettre, comme vous pouvez le constater, ici. Voilà, il est présentement à Gonfla, ça fait une demi-heure qu'on marche dans le mettre. Le cortège ne peut avancer. Voilà, un rythme normal, puisque les populations sont assez nombreuses, massivement, voilà, pour voir l'icône, pour voir le président Laurent Gbagbo, le monument africain, le monument international. C'est un amour fou, un amour propre, pour être consacré dans le cœur des Ivoiriens. Ce n'est aucun rond ne a été donné, aucune boîte de sardines n'a été offerte pour sortir, accueillir le monument. Celui au village, non, celui pour le conseil même. Voilà, c'est une immense qui est sortie, une couleur. Il faut qu'il mette sa joie devant l'homme. Après, une dizaine d'années d'injustice. Après, une dizaine d'années de justice sont manipulées.
Partagez le direct, vous pouvez constater de vous-même. Ça fait plus d'une demi-heure que le côté est paralysé. Et voilà, et c'est vraiment très lentement. Voilà, d'un village à l'autre. C'est vraiment très lentement qu'on évolue d'un village à l'autre. On vient de dépasser comme ça, trois villages. Voilà, direction de Gagnoua. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment éveillé, c'est vraiment phénoménal, c'est inexplicable. Il faut être là pour voir ce qui se passe. Il faut être là pour témoigner de ce que de ce qui est l'or le Rangbabo. Il faut être là. Voilà, c'est un monument. C'est une personne qui a atteint une dimension inexplicable. Une dimension inexplicable. Partagez le direct. Voilà, vous pouvez constater de vous-même. C'est en direct, hein. Nous en direct. Partagez. Voilà. Le Rangbabo est enfin en Côte d'Ivoire. Le Rangbabo est enfin sur la terre de ses ancêtres. Le Rangbabo a vaincu de la justice internationale. Les gens, ceux qui l'ont arrêté, sont allés le juger. Ils ont fouillé partout, même dans son travail, à la recherche de preuves. Ils n'ont pas eu. Le Rangbabo a été libéré. Il est retourné sur le pays. Il se bat maintenant sur la terre de ses ancêtres. La terre qu'il a vue naître. La terre qu'il a mis au monde. Qu'il a vu voir le premier jour. Rangbabo s'en va chez ses parents. Et vous pouvez constater, on est encore à des centaines de kilomètres, mais le mur c'est tellement qu'on ne peut plus avancer. Et les gens ont bloqué carrément le cortège du président Rangbabo. Voilà, c'est phénoménal. Voilà, ils n'ont pas été mobilisés. Ils n'ont pas reçu 5 francs. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu un morceau de pain, aucune boîte de sardines. Mais est-ce qu'on a reçu quelque chose? Non. Voilà, vous pouvez voir, le Rangbabo retourne sur le village. Voilà. Et comme il a dit, il s'en va s'incliner sur la tombe de sa mère. Cette mère-là, qui malheureusement, par la force des choses, il n'a pas pu enterrer. C'est vraiment un jour de gloire. Voilà, c'est vraiment un jour merveilleux. Voilà, un dimanche somptueux. Voilà, pas comme les autres. Le Rangbabo. Celui au village. Vous pouvez voir la joie immense. Voilà, on a laissé plein de personnes derrière. Mais les gens courent dans l'intention, voilà, dans l'objectif de retrouver le cortège. Voilà. Ouais. Mais ce qui se passe
devant est très est merveilleux. Ce qui se passe devant est inexplicable. Et de là, on peut voir le monde qui attend le président Rangao. Le monde qui attend. Il n'est même pas encore dans les accablures de Gaïwa. Il n'est même pas encore dans les environs de Mama. Mais vous pouvez voir de vous-même. L'homme, Laurent Gbagbo, retourne au pays. Retourne chez lui, ici, ses ancêtres. Regardez de vous-même. Oui, c'est merveilleux. Le fils de l'homme est là. Ouais. Non, mais c'est inexplicable, c'est devant. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est Laurent Gbagbo qui rentre chez lui à la maison. C'est Laurent Gbagbo qui a triomphé de la justice internationale. D'une prison avec un traitement inhumain à Rio, à la fin, à Corogo directement. Ouais, c'est l'émission. Et il est arrivé à la CPI. Les gens l'ont fait subir, une justice aux ordres, vraiment manipulée, et qu'on a vu tous ici. Il est sorti victorieux, il est sorti vainqueur. Aujourd'hui, il rentre chez lui à la maison. Il va retrouver ses siens. Partagez le direct. Voilà, il est un peu pour s'avancer. Il y a un espace ici. Il y a un espace là. Pouvez libérer. Papa obéit, il est celui à la maison.
Voilà, c'est le 5 village qu'on pratique à pied. Voilà, c'est pourquoi Mama. Et la mobilisation est intense. Le côté n'avance pas. Voilà. Le côté n'avance pas. Come on.
voy a la tanda sacri de esa, de esa, de esa, de esa, de esa. Y luego el programa bo. Actualmente no hablé, para hablar que. Completamente immobilisé. Le président est complètement immobilisé. La population demande de le voir une seule seconde. La population demande de le voir une seule seconde avant de laisser partir. Voilà, il demande au maire ce geste-là avant de laisser partir. Et donc, nous sommes carrément bloqués. Nous sommes carrément bloqués. Ils sont dans une logique. Voilà, celle de voir le président une seule fois, une seule seconde. À ces années-là, seulement sa mère les saluer. Thank you.
Sous-toi.